Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours au rendez-vous. Alors nous voici encore ce matin à l'émission de Savez-vous le prix d'une âme? Savez-vous le prix d'une âme? Ça coûte, ça n'a pas de prix. On ne peut pas le payer. C'est pourquoi il y a un sang précieux qui est versé. Bénissons toujours notre Seigneur qui a fait cette œuvre salvatrice pour nous. Nous disons merci à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent encore à présent. Ceux qui prêtent l'attention à notre émission et ils nous suivent, ils nous fortifient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bénissons-nous, nous disons merci à la vie de ceux qui sont de la télé JVA. Ce matin, nous allons encore méditer sur un thème. La voix de Dieu continue de retentir. La voix de Dieu continue de retentir. Nous allons prier. Il faut prier. Fiamavo nous sin au katato mie gado akpena ole ndeya. Mie cho bubu plenti koko katana o. E wonye mau matro matro. Eye nu yo kata jena ola eye ne wona. E wone bena vio akpo ntifafa akpo dede. Lendeya papa mie gacho nyagboglo de sia de blede asiome. Vazami abe ekpene za o dola plenusen alebe nusianu ike adocho ya mape adeojila wanye agbe penyao ike atem adonusen viu adele tepeare akpleva kekeli lame akpenao bene wewu ale imieji le yesu penkome. Amen. Amen. La voix de Dieu continue de retentir. Yo ape gbe poto le di. Nous allons lire notre texte de base dans Genèse 6, versets 11 à 14. Le verset 11 nous dit, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. » Verset 12, « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Le verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Bébé a globé. Eye, hechiame, blele, maou, pe, nkoumé. Eye nuvlo wowo ho anyigba laji. Eye mawu po bena ehia megblekem elabena amegbetowo kata pe zozo megble le anyigba ji.
tete mau blona no wabena. Nuti la o kata pe nu do azon e la bena. Ope nu vlo wawo ho anyigba laji. Boda, matron wople anyigba siya. Cho jati wo ba adaka vu na doki wo. Eye nacho emekem. Acho ango atre emekle ekogo. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Apetola nejira epenko. C'est le thème nous dit, la voix de Dieu continue de retentir. Donc, ce qui veut dire que cette voix avait sonné, avait retenti et ça continue. Si gomeni bena egbeya edivai. Ce n'est pas cette fois-ci que ça a commencé, mais ça, il avait existé, elle avait existé et elle avait sonné, elle avait retenti. Donc, dans le monde aujourd'hui, nous voyons qu'avec nos enfants, ou bien si tu enseignes, tu donnes conseil, ou bien tu fais des reproches, et l'enfant, ou bien celui à qui tu fais des reproches, n'arrive pas à comprendre, à changer. Le egbe mi akwe bena ne mi le na nu kwa menya mi avio alo amade eye amike mi le klonu me le se alo me le tro la. Si nous avons toujours l'intention d'aider la personne à changer, nous continuons toujours à parler et ça arrive à un moment, nous osons le ton, nous élevons la voix pour poser notre veto et lui faire croire, et lui faire savoir le danger qu'il est en train de courir. Eye neni be jiji ma potole mi mebena amiane trokokokola mi potona ineji ano hlonui eye va dona ido ikemi mi kona gbeinaji a degbe asine alo a kamone alebena mi a glonui ke onye bena watem atro nuike le vvd be wa 3 nyatem aglone aloke afokuike me oleya nyatem a defien parce que nous voyons, nous voulons à coup de coude le faire éviter le danger qu'il est en train de courir, nous l'aimons, nous ne voulons pas son malheur. Et la bena mi ti kokoko bena mi a deda le jogbe vraiment mais mi a deda la fokuma mais mi me le djimbena wa va ije jogbe vraiment. Donc ce matin, le texte que nous venons de lire ici, nous voyons aussi cette attitude dans ce texte entre Dieu et les hommes. Dans Genèse, la Bible nous fait savoir que il fut un temps quand Dieu a créé l'homme et l'homme est tombé dans le péché. Le mot CP agbalè gba to mi ami apo e bena e eva do e ide ime ki mawo amegbeto e ya amegbeto ra je nuvo mela. Il les a chassés du jardin d'Eden. E nya odale Eden boame. Donc, à un moment donné, Dieu voit que le péché ne fait que s'accroître dans le monde, sur la terre. Eva do e ide ama opo bena nuvo poto le jire ji la nyigbanji. La Bible nous disait que si nous lisons tout le chapitre que nous venons de lire à partir du premier verset du chapitre 6, nous allons voir que la Bible dit que les enfants, les filles de Dieu et les filles des hommes se mariaient, ils rentraient en eux, ils tissaient des relations. Et pour qui que mieux rien là, mi akpo bena, Bible ale gbona bena, ma ou vio a megbe plan megbe to vio a, o le do anu no me, o le de anu no le. Et les fils de Dieu étaient considérés comme, dans certains commentateurs, la Bible n'a rien précisé sur ça, mais dans certains commentateurs, la Bible et les fils de Dieu étaient considérés comme les enfants de Seth et les fils de Satan du monde étaient considérés comme Caïn, les enfants, la génération de Caïn. Bible me de pedi gobi o voale Bible me comme de pas bare do me la mia kwebe ma o viwa o cho abe set be viwo eye hikia metola o cho abe kan be viwo. Le verset 14 dans le chapitre 6 nous dit que le péché a commencé à croître dans le monde.
le toute la terre était corrompue. Bible ale na mi nyabe nu voa e jireji eye hihia kata je blebleme. Le monde était rempli de désordre, d'ignominie, de péché, de corruption. Hihia yo fun ple chaka chaka agbe vlo nono wo nu vo ple fiti fiti nu owo. Il y avait plus de distinction entre le bien et le mal. Voto to mi gavale nu vo ple nu yeno. Et Dieu a regardé la terre qu'il a créée avec une beauté. Il a vu que la terre n'a plus sa forme qu'il avait donnée. Et il avait regardé l'homme aussi, la beauté qu'il avait mis sur l'homme, la gloire qu'il avait mis sur l'homme, cette gloire, cette beauté n'y est plus. Dieu a réfléchi. Le mal a atteint le comble. Qu'est-ce qu'il faut faire? La colère de Dieu était montée. Et en ce moment, Dieu a pris une décision. Dieu a fait un choix. Dieu a tapé sur la table. Sa colère est montée. Parce qu'il a vu que tout ce qu'il a pris le temps de créer à une image agréable n'a plus sa position, sa forme. Elle a bien écouté, bien écouté, et lui qui est toi. Donc Dieu a dit à Noé. Quand Dieu a sondé, il a jeté le regard, il a trouvé un juste. Ce juste, c'est Noé. Et il s'est adressé à Noé. De fabriquer l'arche. De fabriquer une arche. Et qu'il veut détruire la terre. Donc avec l'arche là. Et Noé, il a donné l'ordre à Noé qu'avec l'arche là, il va sauver sa famille. Et il va sélectionner chaque animal, couple de chaque animal pour mettre dans l'arche. Et au début, si na no abena, ple adaka fumara, elle a dépe pomia. Et au acho, elle a décidé à souple no acho de adaka mame. Noé de commencer à avertir les gens, les habitants, les hommes de la terre en ce moment que de se repentir de leurs péchés, que lui, il veut détruire le monde et les pécheurs. Et au gadegbe si na abena ne blona. Noé a commencé à fabriquer l'arche. Il respectait la voix de Dieu. L'ordre que le Seigneur lui a donné, il est en train de respecter. Et il a commencé à fabriquer, il a commencé à avertir les gens à leur dire de te repentir. Et quand Noé avertissait les hommes en ce moment de son époque, la Bible nous dit que les gens se moquaient de lui, les gens disaient des désordres. Depuis quand tu as vu Dieu à détruire le monde? Et amour, Bible, abe, amour, les doufem, les nous, amour, les kwe. Abe, ouéa, gake, me wane, po, ma ou, tron, hi, hiakbo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en ce moment? Nya ke, ma ou, jila, glonami, le, yamo. Qu'est-ce que Dieu, toi qui nous écoutes? Et ouéke, le, seigneur, pegbe. Ensemble, nous et toi, qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore? De doula, nya ke, ma ou, jila, glonami, ou. Oui. En ce moment, Dieu dit que en ce moment, la terre était corrompue. Le péché a rempli le monde. Bible, ma oublon ambe, le yi ma mela. Anyiba yo fou ple, vondi vondi. Anyiba gble kekim. Et si nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce que Noé avait vécu en ce temps.
Eye ne mi ekpo le gbe pe nkeke o mi la, mi akpo ebe na me tovo na nu ike noa, agbe me ike noa non le pe ime. C'est pourquoi notre thème nous dit que la voix de Dieu continue de retentir. Eyata, mi ape tanya le gbona mi ve ma upe gbe kpoto le di. Oui, nous sommes à un moment aujourd'hui, nous sommes dans le moment où le péché est au comble dans le monde. Il n'y a plus de différence entre la justice et l'injustice. L'injustice a pris la place de la justice. Le mensonge est normalisé. On voit le mensonge aujourd'hui comme c'est normal. L'adultère et la fornication sont devenus une mode, sont devenus la mode, oui, c'est ça, civilisation. Le plaisir aujourd'hui est considéré comme normal et c'est donc, si tu ne le fais pas, donc toi tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas considéré. Bondodo va trozu nous yike ne jebe agbe tone wo. Agbe abe vivi sese. Agbe abe vivi sese. Eye ne mele nu agbe ma ola wakpe be na woya mele amegbe todo no. Bref, tout ce qui était considéré comme ignominie, qui n'est pas normal, qui n'est pas à la place, a pris aujourd'hui la position. C'est ce qu'on évalue aujourd'hui, on prend comme ce qui est bon et tout est mélangé. Et nous y kemenyou sans wa, et va ho, nous yoko nyobe tepe egbe. Et y o toa si ho ho nao, alekbe bebe na, a messia me djimbe ya we, ne me we ola, o mado bubunti. Et tout ça là, nous avons des arguments, des raisonnements humains pour les justifier. Et justifier le bien jusqu'à ce que on le retrouve, on lui donne de une splendeur jusqu'à ce que la chose devienne quelque chose qui est bonne. Et jogbe vento la mi etona nyawo so plona nene penu ya odo mi agblo nyawo so ntibe na enu ya enyo eye mi anogble kakabe na enu ikemenyo wa wa va trozu nu nyu ekekeake. Le vol, tout est considéré aujourd'hui à la mode. E fi nu si anu va trozu nu ikenele asia jegbe. C'est ce que Noé vivait. Enu ya me Noa keno. Et Dieu a sonné. Eye ma ou debe. Quand Dieu a parlé à Noé de fabriquer l'arche, e me ke ma ou pou nan Noé bene pa da ka voa. Les gens continuaient à vivre comme bon leur semble. Amo poto le yagbe aji abale ike odro nene. Et quand Noé leur parlait de Dieu de se repentir. La vie qu'ils sont en train de mener n'est pas bonne. Eye me ke Noé le grono bena ou notro lo ape jime. Agbe ike no mo le menyo wa. Les gens continuaient à se moquer de lui. Les gens le prenaient, le calomniaient. Comme ça se fait aujourd'hui. Dans ce monde désordonné. Dans le monde mélangé. Dieu a toujours des Noé. Oui, les gens ont choisi d'adorer Dieu. Les gens ont choisi d'être juste à Dieu. Il y a des évangélistes. Il y a des pasteurs. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a tout un mélangé. Mais parmi les faux, mais mélangés là, il y a des bons. Oui, il y a des faux aujourd'hui qui se glissent dans le corps ecclésiastique. Il y a des évangélistes qui portent le manteau d'évangéliste, mais ils sont des loups. Et les gens disent, oui, ils prennent le mauvais côté, ils disent, ils raisonnent. Donc aujourd'hui, on ne croit plus aux pasteurs, ils sont pires que nous. Ils donnent des raisonnements, oui, vous avez raison. Eye webena egbemia nene pa muwa olacho akpasagana enya wacho blokakabena amuwa va kwesebenya tepeye en mido miapenyajo. Parce que vous avez des preuves, il y a des gens qui sont des pasteurs escrocs, ils font des choses qui ne tiennent même pas.
Yabe ni ajo la bena e pe dojino le niasi e gbe osofo alapato le iko le fiamo iko glona nyayo me le tepe. Et ça décourage les gens d'adorer Dieu. Et si adinaji le pona mo bena wasuboma. Certains voix ça disent que ce n'est plus la peine d'adorer les chrétiens, les pasteurs qui font ça. Il y a pas de différence, ils sont pires que nous. Tu as raison. Eye ogbro amo pone kaka agbro be o mega hian be wa suboma o e la be na o sofo on to gbo hale we enya ojo. Oui, aujourd'hui nous avons des faux billets, des bons billets. Da ke mie do la nyebe egbe la e gagnon le ple a ga ble blo ha ole. C'est pas parce qu'il y a des faux billets, nous ne refusons pas d'utiliser encore les billets, nous les utilisons. Les bons ça là nous les trions. Menye be na alapa be wo ma ga ole. Il a nabé mi magasin ga mi poto le sanga mi chana nyu to so sana. Parce que oui, nous sommes conscients qu'il y a des faux et il y a des bons, c'est pourquoi nous arrivons à faire la distinction. Mi do anyasa alo mi do si jeje bena alapato le nyu to le e ya ta mi te do na mama o me. Rappelle-toi, toi qui nous écoutes en ce moment et tu es dans cette confusion, tu donnes ce raisonnement pour ne pas adorer, pour ne pas faire un choix d'adorer ton Dieu. Rappelle-toi que ça a été comme ça au moment de Noé. Et ata oui kene le semi avec belega popo siame et yene chaka ple enyati ya oba la pato wa sogbo et donc bena le et bemenu iteme tomnelia nene make no aha et non. Non, non, mais ma les choses là étaient textuelles au temps de Noé. Et nous, les tépé, nénéma, pépépé, les noix, pégan. Il y avait des faux et des vrais. À la pato, kenani, et yé, nué, toha, nani. Dans Noé a vécu parmi les justes. Wa, nous, wa, non, George, todo, mais. Malgré le corps de péché, Noé, seul que sa famille a été trouvée juste. Togo, ve, nous, vont de Jila. Donc Dieu te tend encore, Dieu t'appelle aujourd'hui à être parmi les justes, d'oublier les faux et savoir que tu as un créateur qui veut sauver ta vie. Et à ta maoule ou yoyona ou et bébé na, nan non jojo to domé, na donc kube jojo to le, nan l'obé la pato et na tchan jojo to la bena. C'est à cause de ça que toi tu ne veux pas adorer, tu dis que moi je ne vais pas à l'église mais je suis mieux que ceux qui vont à l'église. Et nous m'avons dit, mais j'y vais à l'étroche avec qui on a bien allé blonde à Dokyobe, à Béouagno ou à Méyole et Chotito. C'est pas ça le raisonnement. Mais n'y a-t-il pas mort? La Bible dit, crois au Fils et tu seras sauvé. Bible allait blonde à Béna, ho, village ici, allait bien à port d'aider. Ne regarde pas les hommes, ne regarde pas les pasteurs, ne regarde pas ceux qui sont des faux. Mais regarde Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Jésus est l'image de l'arche que Noé avait créée. C'est l'arche-là qui avait sauvé. C'est dans l'arche-là qu'ils sont rentrés et ils ont retrouvé la vie, le salut. Mais gapon alakpa sofo opak binono. Gâte pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est qui dit la Dieu. Jésus-Christ est qui va bien à Dieu. Jésus-Christ est le nier à Dakavuma, pénonome, et qui a nos wakpa les gapopo siame. Gapopo mame sort de, et pour me appeler, et la vovovovo. Et Jésus-Christ est nier de l'ana ou et bien à Bé à Dakavuma. L'arche était l'image de Jésus. Quand ils sont rentrés dedans, quand le déluge a commencé, l'eau a commencé à remplir la terre, la vie de Noé était saine et sauve. Et il m'a dit, « Adaka voit, mais il est dodoa djegomela noa pe agbia ele detire. Peut-être toi tu as été victime d'un faux chrétien, d'un faux pasteur, de quelqu'un qui t'a trompé. Si t'as posé des actes que tu es déçu complètement, tu ne veux même plus adorer. Nous te disons que ne regarde pas ça, regarde ton sauveur. L'arche est encore là, l'image là est là. Jésus-Christ est là pour te sauver, c'est à cause de toi qu'il est venu. Domani oyane to nonome se si ade me ple alapa o sofode ike nabena e di telepona o kekem. Domani e wona de plo ike mega jibe aga subo. Me ti la gbona le nde ya bena mega pon ne pe nonome mega ti te pe ma oga ke na po Jésus-Christ. E la bena adaka wa potole be ya de o.
Rappelle-toi que au temps de Noé, ce fut comme ça. Les gens se moquaient de Noé en disant que depuis que tu as vu la terre détruite, on a détruit la terre. Qui a vu ça d'où? Et la bena, le nom appelé Gamehala, donc Kibé, Amo, Yeti, le Konoa, Gakeme, Wane, Pobe, Ogble, Otro, Anigbapo. Mais c'est quand ils sont devant la réalité, quand ils ont commencé à prendre conscience, mais c'est déjà tard. L'arche est fermée. Ils criaient, Noé, ouvre-nous ça, mais c'est fermé. Il n'y a plus de grâce. Et il mettait, tu dois toi, to e je gome voa afie over de jesibe a na de lecho e o to lidodo no wa hona mi no wa hona mi voa gbada ivo e la bena o tu adaka voa vo. Aujourd'hui on est en train de parler, toi aussi tu dis, depuis on a commencé à dire Jésus va venir bientôt, depuis là il ne vient pas, ce n'est pas vrai, la Bible c'est un livre que les blancs nous ont amené, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le livre des blancs, mais c'est la parole de Dieu, une parole infaillible, tout ce qui est écrit dedans va s'accomplir. Domani ohan ele gbona do ki obe ese yo gbona nbe na Yesu la trova ga keme Yesu aja tro avao e Bible nye yo vo pa gbale de ko ike o chova nami me de kuku na obe na Bible menye yo vo pa gbale o chova nami o enye ma upe nya ike o chova nami eye nya yo le mela o ja veme. Ça est en train de s'accomplir. Et ceux qui ne sont pas encore accomplis vont s'accomplir. Tu mets ta vie aujourd'hui. On te parle de Jésus-Christ. De te repentir. Tu continues à le faire. Rappelle-toi que c'est ce que les gens de l'époque de Noé avaient fait. Et n'y a de olé agbalé à mes bibles à mes yéke au vème vò. Et yé olé mes yéke me po vème ou la. Wohan oja vème. Et yata ma donc ma de kuku no bena na tro le omoji ela bena le no ape gamehala amo onene ma voa badavaido. Tu continues à mener ta vie. Et porto le no agbe. Le plaisir te prend. Vivi c'est scellé, sort. Oui, dans les bistrots, dans les bars, des mensonges, tout ce qui est désordre. Tu continues à te plaire dedans. Ayi ahanupeo ewedupeo nuyi o katanye vivi ccp agbenonokola funo o jonachinao là où tu peux trouver de l'argent, même si ça n'honore pas Dieu, tu vas piétiner, abuser de quelqu'un, faire du mal à quelqu'un pour trouver satisfaction, c'est dans ça tu es, ta conscience ne te gêne pas. Fisafiko ya natem ato akpo o gakpo Nini benaga awo nu vonda medenti agbla medenti afina po gala eya medumpo nao nu ike we na wa po gapo enelechi. Ta mentalité s'est remplie de méchanceté, de chercher du... Tu ne veux pas voir quelqu'un évoluer auprès de toi, la jalousie. Comment détruire ton prochain? C'est ça tes intentions. Wota me suso yok ple nouvo son. Le ike wea na wo. Agble no vi ode. Agble la mede ntia. Alo, a le fwa mede. A bia wa mede a. E ya kwele susu menao. Tu n'as pas le temps pour Dieu. E yi me la si ona ma wo. Mais il faut savoir que la voix retentit. Vadola nye ebe na ekbi akotole. La fin arrive. Nou gogo. Quand c'était au comble au temps de Noé, Dieu est descendu et le déluge est arrivé. Et meke ova do kokope le no ape e yila ma ou didiva e ye ti do doa veme. Ne dis pas que c'est des mensonges, ne dis pas que c'est des faussetés, ne regarde pas comme c'est des paroles simples. Dieu va détruire le monde, mais cette fois-ci ce n'est plus avec l'eau, mais c'est avec le feu. Mega blona do ki obe alakpanya oyo, alo e nyagbo bloko yo, e la bena ma ou java tron hihia ke azoma ganye kple ti yoga ke kple jo. Les gens n'avaient pas cru, c'était arrivé. Donc, il faut savoir que si tu crois ou pas, ça va arriver. Mais il faut croire pour sauver ta vie. Et attends, dans la nuit, ben ne croise pas le mec qui est là. Et j'avais gâté les na ben na croise, allez ben na déwabe. Toi chrétien, toi qui tu es religieux, tu t'appelles chrétien, tu es dedans. Et un pied dehors, un pied dedans. Tu n'es pas fixe. Tu n'es pas sûr de ton adoration. Fais un choix à ce moment. Oui, que ni Christo, y en a d'autres qui ont Christo, car qui on a aforécalé, mais aforécalé il est noir. Mais car d'autres qui ont dit le subosuba mola, ou a chacun y est toi et bien.
D'autres disent que qui est déjà parti au-delà pour venir vous faire vous dire que vraiment, il y a le feu, il y a l'enfer, il y a quoi. Dieu est amour et il ne peut pas détruire ses créatures. Ye, Amedo, Glonabena, oh, yo, yopo, et jolé. Et je m'en fous, mais yo, pour nous appeler Téméo. Qui leur a dit que quelqu'un s'est parti revenir faire les rapports que réellement ils ont trouvé l'enfer là-bas? Mais qui est Glona Obena, yo, mais qui est Kakava, Pobena et Jolie, je m'en fous, mais il n'y a pas de la fiamme, maoua, l'olotoye, mathématique, mais oh. Que Dieu est amour, il a créé l'humanité, il ne peut pas détruire l'humanité. Dieu est amour, mais son amour a des limites. Il a de la grâce. Sa grâce a des limites. Il faut comprendre que ce qu'il a écrit va s'accomplir. La fin arrive. Si nous voyons le monde aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça doit nous interpeller. Nous sommes proches de la fin. Eye ogbona odo kibena mawa lonloye e ata matematro hihio e mawu lonloye voye pe lonloas li polesi eye nemi ponu ole jola mi apo ebe na nuwa gogo eye nenyi be mi me ochacha ola eyi ya lavali limi. Sauve ta vie, profite de l'occasion pour sauver ton âme. Wo mon popo si ale na de oluvo. Crois en Jésus. Ho Yesu. Donne ta vie à Jésus. So adiana Yesu. Pour rentrer dans l'arche. Ben agere to, l'arche qui est Jésus aujourd'hui. Adakawa ikeni Yesu egbe. Si tu es avec lui, ton âme sera sauvée. Wa de oluvo. Et il sera ton protecteur dans ce monde d'abord. E wanye wo ametakola ihe. Tu vas commencer à goûter les prémices avant que la fin n'arrive. Na je nukugba to odudu afinu wa babado. La fin arrive bientôt. Noua bona puire. Chrétien. Christoto. Accrochons-nous à Dieu. Minami alede ye maunti. On nous donne l'ordre. Oledna degbiasina. Comme l'ordre a été donné à Noé. Abale ike o degbiasina Noua. Oui, nous avons reçu l'ordre d'aujourd'hui d'aller leur dire que l'arche est en train de se créer, n'a qu'à se repentir. E degbiasina obena ne va y blona obe. Et nous, egogo, et ata onotro lape jime. Oui, nous recevons l'ordre. Nous devons aller leur dire. Nous devons leur dire que la fin s'approche. Eh. Le péché a pris le monde. Dieu veut détruire la terre. Il n'a qu'à fuir le jugement. Miko beda sieg bebena miayi agblona obena. Nous, egogo, maouja trokihia. Ele nobina wa trole wape jime. Alebena wa dedale. Maupe jikunti. Oui, Noé le faisait, on se moquait de lui. Oui, on doit se moquer de nous aussi aujourd'hui. Certains, pour aller donner l'évangile, ils ont peur. Ils ont peur de calomnie, de moquerie, mais c'est un ordre, nous devons le faire. Noé, kele we, o kele kwe, ekbe mi ami o ha o la kumi, gake mi ma gbojo, mi do la yi, awe, bena, e degbe ike o da sinami la, mi ate ma wenti do. Nous voyons les âmes périr à côté de nous, même dans nos familles, dans nos boulots, dans nos écoles, à côté de nous, proche de nous. Et ça ne nous dit rien. Nous devons sonner l'alarme, nous devons sonner la trompette de Dieu, que la fin est proche. Les temps s'annoncent. Mia bobena mia pe pometo le mia pa haoji le tro o me ho Yesu ye mele wona de kena mio ele na mi bena mia cho e mia degbe mia kupe asesere ela benu wa gogo. C'est un devoir pour nous. Ese anye doda sinami. Nous devons le faire. Mie do la we. Oui, nous devons nous mettre à la brèche. Eh, mie do la yide bebe ape. Prier pour eux. Mie do la no babape adogbe rade wata. Et toi qui ne connais pas Dieu. Eh, ye wo ikeme poko Yesu la. Nous t'interpellons encore. Mie gale o yo yonao. Si on arrive chez toi avec la parole. No cho nyava gbowa. Toi qui nous écoutes maintenant. Wo ikele sinya begbe la. Tu es en train de défiler les stations. Ele yi, le tro, ele de. Tu arrives sur la chaîne, tu écoutes.
Electro dit mais nous pas péché nous. Ne zappe pas ça. Et il ne va dormir à toi dit mais gâteau va yo. Ne zappe pas ça. Mais gâteau en va yo. Dieu t'interpelle. Maoule yo yo now. La fin de monde du monde est proche. Il chape nous go go vont. Dieu veut détruire le monde. Maou ya tro hi. Il va sauver les siens. Et ya de toi. Compte, il faut te compter parmi les siens. Non et toi demain. Fais tout pour rentrer dans l'arche. Baba na gere to attack à voir mais. Oui, ne crois pas ça que c'est de l'utopie ou bien c'est des histoires. Non, c'est vrai, ça va s'accomplir. Mais gablon de kiobe o nyati ntinyao pepo yo glo awo. Satan a été jeté. L'enfer est créé pour Satan. Satan a o tutu d'avo eye o tu adjoma vona Satan. Non, il cherche les accompagnateurs dans le feu. Et ata Satan a le dit ame yo la pleure yo. C'est pourquoi si on t'amène la parole de Dieu, il te chuchote, il te dit des choses pour te décourager, ne crois pas. Ça, c'est des faussetés. C'est la parole des blancs. C'est quoi, quoi, quoi? C'est Satan qui t'envoie, c'est pas pour t'empêcher de retrouver le salut. Et à ta noche, ma ou peña vana ou la, Satan la vana ou pondé tout mena ou be megasio. Elle a be nya ela, yovo peña e, et nya ela, à la panya e, Satan elle est bleu de me, be bak bleu de joame. Je prie que le Seigneur aide quelqu'un à sortir de ses péchés. Mais le dogbe rabe ma ou ne pere à ma renti ba dole nou vome. Que le Seigneur aide quelqu'un à sortir son âme de l'adoration des idoles. Ma ou ne pere amarenti ba de epe louvo le tros bo soubo ome. Que l'Esprit Saint conscientise une âme en ce moment afin qu'il puisse retrouver la bonne voie qui mène vers Jésus-Christ. Bobo kokwe nena jiti nyanye louvo de le gapopo siame bena watem ao. Et nous qui avons déjà fait le choix, mais nous dandinons un pied dedans, un pied dehors, que le Seigneur nous renforce notre foi et qui nous aide à être totalement dans la bergerie, à mener la vie conforme. Ye na miame yo wo chachan vogake aforekale me, aforekale ihenula, ma une pere miantibe na mianwe meblibo, na miapede de popo. Pour que nous ne soyons pas surpris désagréablement. Alebena, nous avons mis l'élimi les voies d'Imeo. Les gens de l'époque de Noé ne l'ont pas considéré, mais ils ont été surpris désagréablement. Nous avons amour, omé que tu veux nous avons gagné gake eva lilio le job voies tomé. Ça va encore se passer à notre temps. Les gens seront surpris désagréablement. Même entre nous, ceux qui se disent chrétiens dans les églises, nous serons surpris si on ne prend pas conscience. Le mien to mien domé, ame yo le globe mien, ame yo le globe mien, Christo to la, et nous a java lili mi, neni be mi me, tcho jiti nyan yu, tcho plonu o. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous montre la voie. Mon ami. Que nous soyons comptés parmi les élus, les sauvés les jours-là. Même si on est sur nos lits en train de dormir, quand la trompette va sonner, pour qu'on se trouve en l'air avec Jésus-Christ. Ne continue plus à vivre ta vie. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver. Mon ami, viens à lui. Te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver. Mon ami, viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oh, te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver. Mon ami, viens à lui. Te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver. Mon ami, viens à lui. Mon ami, Jésus veut te sauver. Viens à lui. Viens à lui.
Yes, à lui. Longtemps, Jésus dit la déo, vaya ma bord. Éternel des armées, nous te disons merci encore pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Ta voix continue à nous avertir, de nous avertir, sortir pour sortir du péché, du mal, pour venir chez toi. Ogbe potole nami to clan bena mia dole mia pe agbenono me avagbo. Nous prions pour une âme maintenant qui se complaise encore, Seigneur, dans la vie, dans de péché, dans les mensonges, dans les débauches, dans les ignominies. Papa, aie pitié maintenant, sauve une âme, conscientise une âme maintenant, Seigneur, délivre une âme. Nous demandons, Seigneur, que tu touches un cœur maintenant qui est en train, Seigneur, de s'égarer et qui écoute ta parole nuit et jour, mais il ne prend pas conscience. Il le fait comme les habitants de l'époque de Noé. Papa, nous demandons, Seigneur, que tu conscientises. Conscientise maintenant. Que ta grâce, Seigneur, oh, que la porte de la grâce s'ouvre pour quelqu'un maintenant, papa. Tu es fidèle. Le sang est versé pour l'humanité. Seigneur, que ce temps, Seigneur, soit profitable pour quelqu'un. Bénis cette parole dans le cœur de quelqu'un. Merci, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu pour ta vie. Toi qui es toujours fidèle à l'émission. Donc nous sommes à Zopomahé. Si tu veux venir adorer avec nous, nous sommes en face de l'école publique primaire de Zopomahé. Nous adorons les dimanches de 6h à 9h30. Et mien subona kosira ogbe to gaden hoho soyi gache ke ple afan. Mercredi nous faisons étude biblique de 4h30 à 6h du matin. Kuda ogbe la mien wona bible nous sosron to gane plan fa soyi gaden. Vendredi, prière d'intercession 18h30 à 20h. Et fida ogbe ami on a wetro gbiroda to garden ple afan soyi gache sami. Si tu es dans les zones de Zopomahé, nous t'invitons à venir adorer avec nous, à rentrer dans l'arche pour avoir la vie éternelle. Tanani bene le Zopomahé pe nto mela nyekbe obenava asubo klimi alebena de dumiagede adaka voame. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.